Ah oui. La clé. Donc voici la voiture, la Niro électrique que l'on passe jusqu'à demain, on me prête, pour un essai, un test. Hein. La trappe de recharge, mais il y a beaucoup de vidéos qui en parlent. Et tout le monde est d'accord hein, sur le fait que c'est vraiment une voiture bien aboutie. Bah, une batterie de 64 kg, c'est un bon compromis. C'est un bon compromis pour aller loin, tout simplement. Et surtout une fiabilité. La fiabilité de la batterie, ça c'est important. Là, celle-ci, c'est la finition premium, c'est la version haut de gamme. Il y a tout. Il y a presque tout. Non, il y a tout. Sièges chauffants, mais ils ne sont pas ventilés. Les sièges chauffants ventilés, c'est pour la version belge. Bonjour les Belges. Non seulement vous faites de bonnes frites, mais vous avez les sièges ventilés sur la Kona, la Niro. Oh là là, la Kona, qu'est-ce que je raconte. Siège électrique. À l'intérieur, c'est magnifique. Voilà. La place à l'intérieur, mais c'est dingue ça. Oh, ça pourrait faire camping-car. Hein. Oh oui. Bon, eh bien j'y vais. Ah, est-ce que c'est réglé pour mes petites pattes? Parce que moi, j'ai des petites pattes. Alors ça fait. Oh là, bah dis donc, bah non, faut que j'avance. Oh là, ah mais c'est électrique, je suis pas habitué à ça. Ouais, c'est marrant. Alors normalement. Et voilà. Voilà, 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 on stoppe. Alors il y a une sono, JBL, enfin il y a la totale là-dedans. Ah ouais, oh les rangements. Grande console centrale. Quand je dis grande, elle est grande. Hein. Des rangements, prise USB. Ici, 12 volts. Une ici renforcée pour recharger un téléphone ou autre chose. L'induction, je sais pas si ça y est. Bon, l'induction, de toute façon, vu ce que ça recharge, l'induction. Enfin, à mon avis. Hein. Là, l'assise, c'est un siège cuir. Hein. Il faut que je règle tout ça parce que là je suis pas bien là. Ah c'est marrant, c'est. Ah c'est les lombaires. Ah bah ça tombe bien. Et ça. Ah et ça. Non, il n'est pas à fond devant quand même. Ah mais si. C'est quoi ça? C'est la profondeur. Ah non. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est sophistiqué. Oh là là, mais c'est mieux qu'à la maison. Oh, rien que pour mettre devant une télévision, une voiture comme ça dans le salon, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Pourquoi acheter un fauteuil? Ah, ici, il y a un code. Ah oui, ça, c'est l'étiquette. Il faut retirer. C'est une protection d'écran. Donc, 99%, 417 km. Bah, ça va monter. Hein. Ça, c'est sûr. La clim. Poum, quand ça ferme, ça ferme. Donc, position R. Alors, R, ça veut dire rentre dedans. Non, ça veut dire recul. N, neutre, on s'en sert jamais. D, comme démarrer. Voilà. Et c'est tout. Auto-hold, passer l'avance automatique, activée ou désactivée, comme sur la Zoé 50. Parking. Drift mode, c'est différents modes de conduite. Volant chauffant, siège chauffant, c'est pas le moment de les mettre. Il fait une chaleur dingue. À la clim, c'est pas une pompe à chaleur, mais elle est douce. Je trouve qu'elle est très bien, la clim. Là, c'est réglé sur, je vais mettre 22. Et on a une position ici qui sert que pour le conducteur, pour économiser l'énergie. Si vous désactivez, ça va aller aussi sur le passager. Mais si le passager n'est pas gentil, vous lui retirez tout. S'il fait moins 10, lui, il aura moins 10. Il sera gelé à côté de vous. Et vous, vous aurez 20 degrés, vous serez bien. Et ça va, attends, il ne peut plus parler, le gars. Bah c'est ça, hein. Oh, mais quelle place! Quelle place à l'intérieur! Aïe, 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 qu'est-ce que c'est chouette. Alors l'écran tactile, avec tous les bazars qu'il y a là-dedans. Quand je dis bazar, ça veut dire qu'il y a plein de choses. Climatisation, là je suis en mode éco, ben, parfait, 22 degrés, puissance 1. Mode automatique, normalement. Auto, c'est là, voilà, automatique. Ah, là ça monte. Et l'autonomie descend. Ah, on ne peut pas tout avoir, hein. Oh, ça décoiffe. Oh la vache. Oh là, j'ai mis position frisette.
Voilà, c'est comme ça. Là, ici, bah, je règle les aimants. Hein. J'ai horreur d'avoir l'air sur moi. Ah, c'est comme ça. 10h23. Vraiment le top. Hein. Menu, paramètres de clim, fenêtre. Hop. Paramètres. Paramètres. Navigation. Unité. Bah, pas américaine, hein, surtout pas. Afficher la vitesse du véhicule. Non. Limitation de vitesse. Paramètres d'ajustement automatique. Oula. Oula là 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 là. Il faut faire des cours. Vu hein. La prononciation des noms des rues et des lieux. Oula là. Oh non. Ah, oh, ça va faire un tas de bazar. Des gens qui. Moi, hein. Bon. Info passage de frontière. Ah bon? Bah oui, pour aller chez moi. Afficher la vue d'ensemble de l'itinéraire lors de l'arrêt. Ah oui. Information de stationnement en ligne. Mes données. Bah non. J'ai vu. État des satellites, bah, ils sont toujours en l'air, ils sont toujours dans l'espace, tant mieux. Afficher les destinations précédentes, unité, info, propre au pays, en ce moment. Reconnaissance vocale, médias, son, paramètres avancés, navigation. Bah, ça j'ai fait, évidemment. Mode conduite éco. Alors on peut tout paramétrer. La climatisation. En mode éco. Qu'est-ce qui fait bon? Ça vaut une pompe à chaleur, hein. C'est vraiment très bien. Hein. Récupération niveau 2, parfait. Avec tes palettes, hein, ça se règle. Si je monte, bah, toujours niveau 2, parce que c'est en mode éco. Par défaut, c'est réglé en niveau 2. En normal, niveau 1. En sport, niveau 1 aussi, je veux dire aucun niveau. Alerte mode de conduite. Aucun avertissement. Ça veut dire, en cas de modification conduite, aucun message. Bah, c'est parfait, je n'ai rien à toucher. Climatisation. Option. Ah, oh, c'est une chouette voiture. Hein. Ah oui. Moi, je dirais qu'on en a pour son argent. C'est une électrique. Mais elle a une sacrée autonomie. Là, il n'y a plus de carburant, il n'y a plus rien. Hein. C'est chez vous. Quand je vais rentrer tout à l'heure, ça va être branché sur la prise Genop. Et puis, c'est tout. Voilà. Là, le. Il y a. Voilà. Ça, c'est niveau 2, hein, l'aide à la conduite. Très bien. C'est full LED. L'éclairage. Voilà. C'est parti. Et c'est parti. Ah, je suis vraiment tout petit, hein. Tout petit, tout petit. La bonne taille pour les pieds, c'est pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. Alors. Et c'est parti. Il y a un bruit qui fait pas soucoupe volante, hein. Ça fait un bruit discret. Alors, évidemment, c'est pas le gabarit de la Zoé. La Zoé qui en attente là. Ah oui, GPS. Et voilà, j'ai programmé donc la commune. Un petit peu haut. Oh. Ah là 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 là. Faut que je règle. Oh, c'est marrant ça. Ah, c'est bien foutu. Qu'est-ce que c'est bien foutu. Ah bah voilà. Ah, je suis tout petit là. Ah, c'est marrant. Ah bah ça va mieux. Bah. Je suis en mode économique.
Ah bah oui, bah ça se traîne pas, hein. Ah bah non. Il me dit quoi là? Oh bah non. Bien, le report du GPS sur l'écran central, ça c'est... Est-ce qu'il maintient dans la voie? Niveau régénération niveau 2, allume les stops. Hein. Ah bah ça équivaut, c'est un peu moins fort peut-être que la Zoé. Et ça allume les stops. Ah, clignotant très doux, la commande très douce. L'assise, bah, elle parle pas parce que j'ai coupé le son. Bon, la clim elle est excellente hein. Et là c'est que pour ma position à moi hein. Le chauffeur à côté, enfin le copilote il n'y a rien là. Alors le son c'est ça? Ah mais c'est pas ça que je veux. Ah bah voilà, le guidage se fera à ce volume, le guidage se fera à ce volume. Ah c'est bien ça. Merci madame, au revoir madame. Bah, j'aime bien comme ça aussi. Est-ce qu'on peut voir en 3D? Je sais pas trop. Bon, ça va comme ça. Hein. Alors, pour les différents modes, limite, cruise, voilà. Ah là, il y a l'auto-hold. Et si je le désactive? Et je crois qu'il faut le faire portière fermée, moteur. Enfin, je crois. Hein, c'est. D'après ce que je sais, c'est pas comme sur la Zoé 50. 2, 3. Ah, ça fait comme. Alors, ça, on peut paramétrer les nombres de clignotements, pardon. 3, 5 et 7. 7 clignotements automatiques avec une petite action. Ça fait le. Oh là, voyons ça. Ça se traîne pas. Hein. Ah! Ah non, appel de phare pour ça. C'est bien le report de au centre. Hein. Ça, c'est pas un luxe. Hein. Mais alors, ça la patate. Hein. Comme toutes les électriques, hein, ça la patate, il n'y a rien à faire. Quand même. 204 chevaux, là. Hein. Donc 389 km avec la clim. Et elle est puissante et elle fait pas de bruit. Donc qu'est-ce que la pompe à chaleur? Dans 200 mètres, quittez ah. Le rond-point à la quatrième sortie. Oh ouais, c'est tout. Alors c'est carrément à l'équerre, c'est vrai ça. Je sais pas, c'est bizarre. Bah je peux pas me tromper, c'est pas possible. Si je me trompe. C'est parce que, non, ça va pas. Waouh, ça c'est bien. Quand ça dit maintenant faut le faire, là je comprends. Voilà. Bah oui, sinon je comprends pas. Maintenant, tournez légèrement à gauche. Maintenant? Ah, bah non. Ah bah faut aller plus vite que moi hein. Ah bah pas là. Oh quel confort dans les ralentisseurs. Oh que c'est agréable.
dans 200 mètres. Quittez le rond-point à la troisième sortie. Bon, mais faut aller plus vite, hein. Conditions SCC non respectées. SCC, ça veut dire pause. Prenez la troisième sortie. Troisième. Une, deux, trois. Eh ben, je m'étais planté avec la Zoé, je suis passé par là aussi. Ah ouais, ça n'avait pas réagi. Bah, c'était aussi lent. Alors du coup, bah, il y a un manque de réactivité de GPS. Il devrait dire, ben, ah, c'est pas là qu'il faudrait aller. Réfléchis un petit peu. Concentre-toi sur ta conduite. Mais bon, quelque chose de gentil, quoi. Où c'est que tu as eu ton permis? Oh, enfin, bref. Sympa, ça. Toujours 389 km. Faut pas que je tourne à droite? Oh non. Quel confort. Pour le dos. Ah, j'apprécie parce que quand on a des petits soucis de dos, c'est un sacré plus, hein. Là, ils soutiennent lombaire, ils sont excellents, en plus ils sont réglables. Dans 200 mètres, quittez le rond-point à la deuxième sortie. Et les bosses, on les sent pas, les cratères là, les plaques d'égout et tout ça. Parce qu'en France, c'est spécialiste des plaques d'égout sur le milieu des rues. C'est vrai, à chaque fois vous allez sur le passage des roues, c'est pas vrai? Bah si, c'est vrai. Ah, je critique pas, hein. Ah non, du tout. C'est bien les plaques d'égout sur la route. Prenez la deuxième sortie. Mmh. Ah, ça fait un bruit. Ah, dis donc, ça fait Star Trek. Maintenant, quittez le rond-point. Sur le prochain kilomètre 400, continuez tout droit sur cette route. Eh ben, niveau 2, nickel. Hein. Ça fait comme pratiquement comme la Zoé. Pas tout à fait. C'est un peu moins fort. Et ça allume les stops. Je répète et je redis, il y a un souci. Pourquoi les gens s'énervent derrière une Zoé? Parce que les stops ne s'allument pas quand on relâche l'accélérateur et on n'a pas besoin de freiner. C'est pas de notre faute à nous, hein. Faut pas nous engueuler les gars, hein. On y est pour rien, hein. Bah oui. C'est une voiture, elle incite pas à rouler trop vite. On est bien dedans. Ah ouais. Toujours 389 km, évidemment, ça descend, ça se récupère. La direction très directe, hein. Ah bah ça, voilà, c'est impressionnant la direction, vraiment très bien, hein. Là je suis en agglomération, on va voir sur route. Ouais, ça fait vraiment une navette spatiale, hein. Oh, c'est marrant comme tout, j'adore, ouais. Là au moins je laisse le son. Ah oui, ça me déplaît pas. Ah mais Zoé, quand je mets le son, je sais pas ce qu'ils ont choisi ça, ils ont pas été à SNCF pour le trouver sûr. Hein. Moi qui regarde un peu les films science-fiction, ça les aiderait. Dans 500 mètres, tournez légèrement à gauche. Je critique pas Renault, hein. Ah, j'adore ma Zoé. Ah bah non, hein. Ah, c'est par là que je suis venu. Il fait prendre la même route que Google Maps. Bon, GPS, très bien. Je freine pas, j'ai pas besoin. Et niveau 3, apparemment la régénération est tellement forte que ça va jusqu'à l'arrêt. Ça arrête la voiture au niveau 3. Bon, tout ça, ce sont des essais que je ferai, bien sûr, hein, j'ai le temps. Bah, évidemment. 200 mètres, tournez légèrement à gauche. Oh, bah là, ça se passe bien sur des bosses comme ça. J'ai pris en descente avec la Zoé, j'y allais tout doucement. Mais là. Oh là là, non, ça n'a rien à voir. Ça absorbe bien. Je comprends que les autres me poussent derrière s'ils ont ce genre de voiture. Il roule pas, lui. Bah, je roule pas. Bah, je vais pas casser mon dos, hein, pour leur faire plaisir. Ni la voiture. Maintenant, tournez légèrement. J'aimerais bien rouler plus vite, mais je peux pas. Ah, bah oui, si je vais tout droit, ça va bien. Direction d'une main, encore plus directe que la Zoé. 600, continuez tout droit sur cette route. Parce que la Zoé est un gabarit plus petit, hein, largement. La direction, celle-ci avec un gros gabarit, la direction est vraiment, vraiment excellente. Par contre, autopilote, je suis en train de chercher l'autopilote. Pas trouvé. Il a enclenché, mais il y a quelque chose qui coince. Est-ce qu'il faut que je choisisse une autre...
Bon, là, j'ai pris une autre vue, là, au centre de l'écran. Ça se passe avec directement depuis le volant. Il y a plein de boutons. La nuit, bah, il faut prendre la documentation de la nuit pour la lire en roulant, pour savoir à quoi ça correspond, parce qu'on oublie. Bah oui, les tournesols sont brûlés, grillés. Ah, l'huile de tournesol, elle va augmenter, hein. Ah, ça y est, ça fonctionne donc avec ce bouton-là. Ah, dis donc, ouais. Bah, c'est une route pourrie, il détecte. Oh, dis donc. Dans 500 mètres, tournez à gauche. Ah, ça me tient le volant. Ah, c'est marrant. Tiens, je lâche le volant sur un truc aussi pourri que ça. Ça a réussi à lire les lignes. J'ai du mal à les voir, moi. Ah, c'est marrant. Ah, ça lit plus rien, là. Ouais, ça c'est en... parce que c'est en morse. Un coup, un point, un coup, un trait, un coup, un point. Ça veut dire au secours, au secours, remettez-nous du goudron, au secours, voilà, je traduis le morse, marqué là, par terre. Eh ben, je sens pas les bosses. À peine. Oh, c'est génial. Génial. Ah, j'apprécie. Maintenant, tournez à gauche. Ah, c'est pas là que j'avais été. Je vais tourner à droite. Pourquoi qu'il me dit à gauche? Oh, il va faire prendre l'autoroute. Ah non, 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 ouais, oh là là, ouais, ça rend pas, non. Pour l'autoroute, hein. Le bruit du moteur. Ouh, excellent. Ah, génial, hein, ça maintient le volant, hein. Ah ouais, je pas auto. Ah non, ah, ça fait ping-pong, parce qu'il n'y a pas le régulateur d'enclencher. Eh ben ça va, j'ai les mains sur le volant. Hop là. Oui, bah c'est bon, ça y est, ça y est, ça y est. Ça, faut que je désactive l'option autoroute parce qu'il va me faire prendre tout le temps là. Je veux pas de son autoroute. Prenez la quatrième sortie. Non. Ouais, clim très efficace. 384 km. Pas besoin de freiner. 3 Saint-Dizier. J'espère que je me plante pas. Génial, ça marche tout seul avec le régulateur adaptatif enclenché. Ouais, le bazar, il tient bien la voiture. Hein. Ah ouais. Oh, dis donc, je touche à rien. Hein. Ah, je vais rester maintenant, dessus. Prenez la sortie à droite. Non, pas encore. Oh, bien alors. Régulateur enclenché, ça... Oh, j'ai les mains sous le volant. Quitter le rond-point à la quatrième sortie. En mettant régulateur adaptatif, ça améliore drôlement l'aide à la conduite. Là, la voiture, je tourne pas le volant, hein. Je le touche pour pas que l'alarme se mette en route. Et c'est tout. Tiens, ça bouge tout seul. Ça marche comme tout. Ah, c'est bien ça. Voilà.
Alors là, c'est vraiment dans la ligne. Hein. Juste à mettre un doigt. Avec un doigt, parce que c'est désactiver l'arme. Je touche pas, je tourne pas le volant. Ça se fait tout seul. Il y a un virage. Vitesse réglementaire 94 km. 103. Ah non, c'est le nombre de kilomètres avant d'arriver à destination. Vitesse 94 km/h de réglé. Il n'y a pas beaucoup de circulation, ça tombe bien. Oh, dis donc, tout seul, hein. J'ai les mains sur le volant. Ah, c'est juste un... Encore le petit réglage du fauteuil à peaufiner au niveau des lombaires, ce sera parfait. Alors là, franchement, ça change la conduite, ça. Hein. Eh ben, j'ai les mains sous le volant. Ah, je tourne pas le volant, hein, ça bouge tout doucement, tout seul. Voilà. Sur des autoroutes, sur des routes comme ça, mais c'est impeccable. La voiture, elle reste sur des rails, non. À une vitesse toujours constante. Consommation impeccable, clim impeccable, le bonhomme impeccable. Le copilote, bah, il est parti, il n'y a pas de clim. La copilote. Oh, je suis venu avec moi-même. Hein. C'est marrant comment ça rectifie, parce qu'on sent dans le volant quand on le touche comme ça, comment ça modifie légèrement la trajectoire. C'est très sensible, très doux. Elle est excellente cette voiture. Donc une fois que j'arriverai chez moi, je brancherai, comme j'ai dit, sur la prise standard, hein, Green-up. Batterie 97%. Ah bah qu'est-ce que c'est bien. Là comme ça c'est bien, j'aime bien. Là maintenant je vais pouvoir regarder tout ce qu'il y a autour. Un oiseau, une branche, un arbre, un champ, la poussière. Voilà. Ça rend les voyages autoroutiers, on va dire, agréables, supportables, sans cette aide à la conduite, indépendamment du régulateur de vitesse. Ben ça, je dirais que c'est dans à l'époque où l'on vit, maintenant, avec le confort que l'on demande, le recherche et l'automatisme, est disponible, ça devient indispensable. Et là, c'est réellement du niveau 2. Hein. M'a dit Vincent qui a vu les extraterrestres, m'a bien dit que c'était niveau 2. Je veux bien croire, parce que là... ça reste bien sur la... voie. C'est la première fois que je conduis une voiture comme ça. Hein. Encore un kilomètre. Dans un kilomètre, quittez la route principale vers la droite. C'est marrant parce que ça fait une petite rectification gauche-droite, léger-léger. Ah, c'est marrant, ça fait comme dans une péniche. Attraper le mal de l'air avec ça. Mal de mer avec ça. Ah, qu'est-ce que je peux en dire des bêtises? Je sais. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Ne vous sauvez pas, c'est pas fini. À la prochaine sortie. Ah, bon, alors faut peut-être que je sorte, sinon je vais me retrouver je sais pas où. En plus, elle est belle la couleur. Hein. La peinture est pailletée, elle est belle comme tout. Sûrement une option. Ah, ça freine bien au niveau 2, hein. C'est rien, ça y va quand même. Hein. Je serais curieux de savoir par rapport à la Zoé 50, l'aide à la conduite. Dans 200 mètres, quittez le rond-point à la quatrième sortie. Mais ça m'emmène où? Vous voyez, ça commence. Prenez la quatrième sortie.
Saint-Dizier, Joinville, oula, ça serait plutôt la Pologne. Ah, la Pologne. Colombay deux églises, c'est bon. La Zoé 50 est très confortable. Hein. C'est vrai que ça me change. Bah, ça me change par rapport à ma Zoé de 2013, hein, c'est sûr. Hein. Ah, ça. Ah, c'est marrant ça. À la vitesse, mais ici c'est pas 80, c'est 90 dans votre marne. Mais ça se base sur le GPS et pas sur les panneaux. Il n'y a pas de lecteur de panneaux encore. Quand ça se base sur le GPS, ça fait comme Zoé quoi. Ça fait comme Google Android Auto. Il vous dit 70, encore mieux, 70 au lieu de 80 et 70 au lieu de 90. Très très confortable. Assez ferme quand même comme suspension. Il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de roulis. Il n'y a pas. Hein, c'est pas une DS, hein, ça fait pas. Quoi que la DS avait une sacrée suspension. Mais. Oh, c'est lourd hein, comme voiture, fait une tonne 8, je crois. Ah ouais. Alors, rétroviseur intérieur électrochrome, complètement automatique. L'écran bah, très net, très fin. Voiture dynamique en conduite, c'est pas pâteau. Je veux dire par là, très réactive au niveau de la direction, et comme la suspension est souple mais en même temps ferme, on n'a pas peur, on sent bien. Je demanderais plus de soutien latéral des fauteuils, oui, un peu plus de soutien. C'est peut-être moi, je suis un gabarit normal, hein, mais ah, je m'en vais. Pourtant, c'est beau fauteuil en cuir, mais ils ont pris une vache maigre pour faire le fauteuil sur cette voiture, je sais pas. Alors, sur les petites routes de campagne comme ça, bah voilà, c'est impeccable. En électrique, c'est ça qu'il faut, les balades, les promenades, vous allez loin, l'autonomie est excellente. Dans 500 mètres, tournez à gauche. C'est marrant, ça me ramène. Ah, le volant. Il m'échappe des mains, le volant. Elle veut aller. C'est elle qui m'emmène, dis donc. Non, mais je fais ce que je veux. Hein. Ah, c'est surprenant. Hein. L'aide à la conduite. Dans 200 mètres, tournez à gauche pour suivre la route principale. Je freine pas. Et je freine, j'accélère. Moi, ça va vite. Maintenant, tournez à gauche. Bien, maintenant. Quoi, j'aime bien ça, quand c'est dit maintenant. Et pas après. Sur le prochain kilomètre 500, continuez tout droit sur cette route. Oui, madame. C'est une voie agréable, hein. Ça change. Ah. Allez, beau paysage. C'est brûlé, hein. Manque d'eau.
normalement des orages dans l'après-midi et en soirée. Donc il y aura une recharge sur une borne CCS combo, la seule disponible dans Lyon. Oui, heureusement qu'ils sont là. Heureusement que vous êtes là, les Lyonnais, hein, parce que sinon on serait mal. Hein. Oh, il faut qu'on aille chez vous faire le plein. Hein. Ah, elle m'envoie dans le tas. Oh. Ah oui, bah non. Avec une ligne, est-ce que ça fonctionnerait? Ah oui, mais là, il n'y a pas régulateur, c'est vrai. Dans 500 mètres, tournez à droite. Le maintien dans la voie est beaucoup plus efficace avec le régulateur enclenché. Donc, faut bien vous habituer sur toutes les voitures, de toute façon. Dans 200 mètres. À mettre les régulateurs dès que c'est possible. Ben oui, c'est indispensable maintenant. Meurs. Maintenant, tournez à droite. Quoi, là? Hein? Oh bon? Oula! C'est la même famille que Google, et TomTom, GPS. Ah oui, ils ont été à la même école. Ah, même la vache, elle est surprise. Il ne voit jamais personne, là. Il m'a fait prendre un raccourci. Ah, ça va gagner 50 mètres, mais bon. C'est marrant. Dans 200 mètres, tournez à droite. Ah non, t'as les piquets, on dirait des fusées. Tu mets une mèche au bout. Ah oui. Oh là, bah, en effet, dis donc. Oh, ah, celui-là, c'est un amélioré aussi, hein. Ah, il n'y a pas de problème. Hein. Faut leur dire au GPS. Pas les routes à vache. Hein. Non, non, non. Pas celle-là. Voilà, cimetière. Eh oui, c'est GPS, c'est touriste. Touriste. Les pommes. Ouais, elles sont tardives. Maintenant, tournez à droite. Bah oui, je veux bien, moi. Aïe, aïe, aïe. Oh, tu parles un truc. Ah, oui, ça la pète à toi. Sur les 7 prochains kilomètres, continuez tout droit sur cette route. Oh, bah dis donc, ça se traîne pas non plus, ça. Hein. Ah bah, en vrai. Et ça me reprend. Ça me reprend le guidon. Bah, le guidon, le volant. Oh, c'est marrant, ça. Non, c'est le mien. Lâche-le. Oh, c'est beau. La régénération niveau 2, excellente. La puissance de freinage. Oh, c'est des voitures. Il faut se familiariser. Je suis tellement habitué à la Zoé que je suis dépaysé quand même. Hein. Je suis habitué aux grosses voitures. Ça, j'en ai conduit, mais... Quand on a conduit 3 ans et demi une Zoé, et puis d'un seul coup, on se retrouve sur ce genre de voiture, ça donne pas l'impression d'un gros gabarit quand on est à l'intérieur. Ça qui est bien. Déjà, ça met à l'aise. C'est certain. Les rétroviseurs sont bien faits. Automatique, hein, bien sûr. Marche pas, là. Ah, il n'a pas détecté. Il m'indique hein, quand il peut. Ah, si, il va, là. Il tient. Et la bordure, et là. Oh, bah là, non. Alors, c'est une vidéo qui va être coupée parce que. Je veux dire, vu la route que je vais faire avec, il y a un moment, il faudra que je fasse quand même au moins 2 vidéos, ça serait pas un mal. Gardez les mains sur le volant. Ah, non, hein. À peine lâché, hein, ça y est. Hein. Pas que je lâche le volant, puis il est agréable, hein. Toucher. J'ai pas mes gants de conduite, j'en ai pas besoin. Volant cuir, enfin cuir. Maintenant, on se demande hein, si c'est du vrai cuir ou du faux cuir. Alors là, je prends vraiment les routes de traverse, hein, dis donc. Je freine toujours pas, hein. C'est impressionnant, hein.
Ça, en électrique, c'est vraiment... ça participe au confort de la voiture. Il fait bon. Dehors, il fait combien? Oh, elle est où la température? Il n'y a pas de température? Si, ah si, 28 degrés. En roulant. À l'intérieur, qu'est-ce qui fait bon? Et là, l'autopilote? Gardez les mains sur le volant. Ouais, il hésite un peu. C'est normal. Ah, le tournevolant. Ah, le tournevolant. Vas-y. Allez. Ah, bah non, alors elle lâche tout. Ah. Faut pacifier. D'un seul coup, elle en a marre. Boum. Elle tire dans le tas. Bah non, sûrement pas. Là, elle tient. Tiens. Elle tient plus. Bah oui. Hein, l'aide à la conduite, hein, faut vraiment que la route soit bien tracée, rocade, autoroute, voilà, ça ira. Sorti de là, ça ira pas. Trop risqué. Qu'est-ce qu'ils ont regardé les gens là? Oh, c'est vraiment vallonné, hein. Et c'est vraiment tranquille, on est bien dans ce genre de voiture. Pas besoin de rouler à fond les gamelles, là. À garder les mains dans le volant. Oh bah alors là, ça se désactive tout ça, bien sûr, hein. Heureusement. J'ai les mains sur le volant. J'ai pas roulé sur la bande. Ça se désactive. J'ai soif. Y a pas quelque chose qui sort d'un tiroir quand on dit ça. Ah, un jour ça viendra peut-être. Il dira j'ai soif. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Bon, un demi, bien frais. Qu'est-ce que vous voulez? Greenbergen, 1664, une ch'ti? Oh bah une ch'ti. Une ch'ti bien fraîche. Ah bah d'accord, une ch'ti bien faite. Vous voulez un grand verre ou un petit verre? Bah 50 centilitres, hein. Bah oui, sinon c'est pas un demi-litre. Ouais, quand on en a un demi, c'est pas 25 centilitres, hein. Mais ça tient tout seul, hein. Bah, jusqu'à un moment, c'est que ça tient plus. Mais un jour, ça viendra, ils vous donneront des ch'tis dans la voiture. Bah, pas les ch'tis du Nord, mais la bière. Je suis super dans cette voiture-là. Ah ouais, juste un petit réglage au niveau des lombaires encore à faire, à peaufiner, et c'est très très bien. Quand il y aura les bandes CCS combo qu'il faudra partout, bah tant mieux. Hein. Ça sera parfait. Bah elle tient là. Voilà. Elle tient ou elle tient plus? Elle tient plus. Il manque la bande de droite. Bah je prends l'axe national. Ça va aller mieux. Ah bah non. Ils ont tout gravillonné. Il n'y a plus de bande. Ah, je freine pas. La batterie, celle-ci est refroidissement liquide. Hein. Ça maintient chaud l'hiver. 500 mètres, tournez à droite. L'autonomie à peu près constante, été comme hiver. Voilà, c'est ça qui fait la différence. La voiture de promenade par excellence. La voiture pour rouler. On va tourner là quand même. Dans 200 mètres, tournez à droite. Voilà. Bon. Oh. Maintenant, tournez à droite.
sur les 8 prochains kilomètres. Continuez tout droit sur cette route. Non. Parce que j'ai... Je regarde. Mode cruise. Voilà. Ouais, en fin de compte, on a vite fait faire le tour quand même. Qu'est-ce que c'est chouette. Ah, je sais pas, je m'endors là. Non, mais par contre, la température, il faut que je la monte un petit peu. Je vais mettre 23, 24. Voilà, pour qu'il y ait trop de différence. Par rapport à l'extérieur, parce qu'il commence à faire chaud. C'est franchement. Oh, je leur rends pas. Oh non. Je leur fais pas payer la Zoé. Les gens qui se plaignent pas. Il va. Je sais pas s'il va rire, le Vincent. Je sais pas. Tout va bien, Vincent. J'ai les choses en main. Ah, j'ai la voiture en main. Voilà, direction Colombey. Les deux églises. Ah, c'est détecte les trottoirs. Hein. Ah ouais. Oh là. Bah oui, mais... Ah, oh, c'est marrant, ça. Ah, oh, dis donc. Qu'est-ce que c'est bien foutu. Et voilà, mode automatique enclenché, régulateur adaptatif, maintien dans la voie enclenché, parfait. Il n'y a qu'une voie, hein. Enfin, qu'une voie, qu'est-ce que je raconte? Une bande. Et ben ça suit. Est-ce que... Voilà. Et ici, c'est 90. Bah oui. Ah là là. Alors, plus. Et voilà, 90. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Et ça tourne le volant tout seul. Même dans les lignes droites. Et l'autonomie qui descend très peu. Que c'est bien tout ça. Ça vaut cher, mais ça vaut le prix. Voilà. C'est tout. Pas d'entretien, plus de carburant, etc., etc. Total confort. J'ai pas ramené de bouquin pour lire. Faut surtout pas faire ça, hein. Ah non, 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 non. Lisez pas le mode d'emploi en conduisant. Ah bah sûrement, tiens, vous allez voir. J'ai les pieds, ils sont loin, hein. J'ai les pieds en vide-poche. Ah, il n'y a plus de bande. Ah bah va falloir gueuler maintenant, non seulement pour les bornes, mais les bandes. Ça, ah bah voilà, bah non, alors ça nous gâche tout le plaisir, là, ça y est, ça s'efface. Ça a disparu. La voiture, elle va pas savoir, elle. Hein. À ce coup, bah plus rien. Bah si, elle détecte encore. Je sais pas ce qu'elle détecte. Ah non, il n'y a plus rien, c'est fini. Ah, ça c'est vraiment très très bien, hein. A détecté 70, comment qu'elle a fait. 90 ça passe pas, mais 70 ça passe. Ça c'est étonnant. Oh. Oh là là, il y a de la paille. Contente les vaches. Alors pour les voitures thermiques, surtout. Quand c'est la fin des moissons et tout, ce qui vaut la fin des moissons et tout ça,
dégagez bien la paille du radiateur de refroidissement du moteur thermique. Ça, j'ai connu aussi. Il faut absolument déblayer toute la paille qui rentrait dans les petites ailettes de refroidissement. Sinon, votre moteur va surchauffer. Pensez-y. Ça, c'est important. Ça vous évitera de péter un joint de culasse. Pas vous, mais la voiture. Ou le joint de culasse, il pètera après, quand vous allez recevoir la facture. Alors, les arbres, ils sont cramés, comme toujours. Ah, les pauvres, hein, ils... Alors, ça fait un bruit de roulement supplémentaire quand c'est grévillonné, c'est normal, pour toutes les voitures. C'est supportable, ça fait comme dans la Zoé, ça fait un peu plus de bruit que sur le... Mais bon... Colombert. Je ne sais pas si on peut changer la couleur du GPS parce que le gris, ça ressort pas tellement. Ça fait, ça me gêne un petit peu ça. Je ne sais pas, mais bon. J'ai apprécié le système de la Zoé 50. Le grand écran, qui donne de bonnes informations. C'est très très bien fait aussi. Chaque constructeur a son style. La Zoé 50 est très bien. Et celle-ci est très bien aussi. Il faut les deux. Une Zoé 50, une Niro, et puis bien sûr une Tesla. Ah bah oui, bah. Faut commander ça au Père Noël, hein. Oh, il va bégueuler le Père Noël, va dire. Ça coûte combien tout ça? Oh, oh. Ouais, mais... En payant plusieurs fois. Oui, mais vous pouvez... Sur 1000 ans, c'est possible? Ah, sur 1000 ans, on va faire les calculs. Hein. Faut faire attention, c'est piégeur électrique. Hein. C'est de la patate en mode économique, malgré tout. Hein. Ça fait pas de bruit, hein. Prenez la première sortie. Oh non, pas celle-là. Sûrement pas. Là, c'est la route touristique, là, c'est pareil. Et qu'est-ce qu'ils ont, GPS, ouais, balancer des trajets comme ça. Maintenant, quittez le rond-point. Maintenant. Voilà. Et là... Voilà, 90 enclenché, mode automatique. Est-ce qu'elle va détecter le camion? Ah, ça prend bien, hein. Pourtant, il est raide le virage quand même, là. Ah, prend bien. Si, quand même. Ah, si, c'est bon. Oh là, le camion. Détecte ça comme une voiture, lui? Ah bon. Faut être vigilant, mais ça fonctionne. Hein. Ah ben voilà, c'est très bien parce que ça incite pas à doubler. Non, ça se maintient à une bonne distance automatiquement. Voilà, ça suit le camion. C'est ce que je fais, hein, sur les Zoé, sauf qu'il faut que je fasse tout. Sauf que là, ben, c'est automatique. C'est tout. Même la direction. Voilà, les contreforts barres sur au bois. Non, c'est mal dessiné, hein, les traces, hein, mais dis donc, hein, ça se maintient bien quand même. Hein. Ah, les pompiers. C'est impressionnant la distance, comme ça respecte bien, dis donc. Avec le trottoir, les deux trottoirs, par contre ça maintient pas, hein. C'est pas si ça rectifie, elle dit que je conduis mal pendant que j'y suis, enfin bref.
C'est différent d'Azoé, c'est un bouton, mais c'est la même chose, c'est le même principe. Ça remet automatiquement la vitesse programmée, 90. Puis après, ça passe à 80. Voilà, 80, 82. Je ne sais pas à quelle vitesse ça correspond au niveau GPS, hein, donc je me méfie. Il y a des compteurs de vitesse plus ou moins précis, suivant les marques, suivant les modèles. Sur la Zoé, c'est 84, mais là, sur celle-ci, j'ai mis 82. Oh, franchement, ouais. Quel luxe! Je tiens avec le pouce et l'index, et c'est tout. Pour dire que, bah oui, je tiens le volant. Ah, en fin de compte, je tiens le volant. Mais c'est elle qui gère tout. Et là, pourtant, c'est raide. Hein. Bah, elle le prend bien. Hop là. C'est la moto derrière qui a dû être surpris. Faut se méfier. Hein. Faut... Quand c'est assez serré comme ça, je sais pas. Hein. Faut avoir de l'expérience dans le domaine, je pense. T'as pas détecté la moto? Ah, ça tourne bien, hein. Ça tourne tout seul. Oui, voilà. J'ai laissé faire, hein. Ah ouais. C'est drôle ça, comment ça prend le... Ça mord sur les bandes blanches, dis donc, ouais, c'est pas bon ça. Hein. Est-ce que ça va continuer? Je reste en autopilote pour voir. Non, ça maintient bien, ça fait drôle. Hein. Ah, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Par contre, ça détecte toujours le camion. Donc, ça maintient plus la voiture dans la ligne. Mais ça freine. Ça suit le camion. Waouh, génial! Et ça suit la moto. Sauf qu'il n'y a pas le dessin de la moto, ils n'ont pas réussi à le peindre. Et sinon, oh bien, 30 km/h, parfait. Et là, 50, bien. Interdiction de doubler, bien. Wow. Oh, c'est un plaisir rien que, de rouler rien que pour ça, pour la technologie embarquée. Ah oui. Est-ce que ça va reprendre? Oui, ça reprend. Volant vert. Voilà. Et automatiquement jusqu'à 82. Voilà. Ça mord, hein, sur les bandes, hein, quand même. Hein. Ah. Il roule plus vite que moi. Alors je vais mettre un peu plus parce que pression des pneus. Voilà. Ah, c'est de kilomètre heure en kilomètre heure. Ça c'est bien. Sur la Zoé c'est de 2 en 2 et là c'est de 1 en 1. Alors est-ce que la voiture apprend d'elle-même? Est-ce que dans le réseau Kia, ils améliorent à distance l'aide au maintien dans la voie? Un peu comme fait Tesla, quoi. Possible. À espérer. Là, pour l'instant, je ne touche pas au volant du fait que ça conduit tout seul. Très précis. Quand c'est des portions comme ça, ah oui, c'est une aide à la conduite, hein. c'est pas un automatisme à mettre en continu. C'est ce que dans tous les youtubeurs disent, hein, sur ce genre d'aide. Il
faut pas s'y fier complètement. Il faudrait que ça passe au niveau 3. Et d'après ce que m'a dit Vincent, le vendeur, ça, ils sont prêts au niveau 3 et niveau 4 chez Kia. Voilà. Donc, comme quoi, la technologie évolue plus vite que la législation. Hein. Il faut savoir aussi qui est-ce qui est prêt à mettre sa vie en jeu et la vie des autres, en quelque sorte, avec une technologie qui n'est pas encore tout à fait acceptée par tout le monde. En France, on est très, très en retard dans les habitudes de conduite. La preuve, la boîte de vitesse automatique, bah, tout le monde vous regardait avec un œil, c'est un handicapé le gars pour qu'il y ait une boîte de vitesse automatique. Pas du tout. Et les gens étaient complètement ignorants. C'est impressionnant. Et maintenant, tout le monde en veut une. Voilà, c'est toujours pareil. Et pour le régulateur de vitesse, c'est pareil. Sup, tu conduis pas, t'as mis régulateur de vitesse. Oh, attends, je suis en train de pêcher un poisson, là, tu vois pas, au bord de la route. Parce que j'ai mis régulateur de vitesse enclenché. Oh là là. Voilà, donc ce genre de... Oh là, ramener sur la route, donc quelque chose de bien. Aïe, oh, tu vas rester sur la route, toi. Hein? Voilà, ça c'est bien. Tiens, le virage, là. Il est bien, celui-là. Ça va faire quoi? Bah, rien du tout. Tout droit. Ah, parce qu'il y avait une flèche. Il y avait une flèche, sûrement, qui est... Ah, c'est un bon test, hein, ça. Hein. Là, là, là. Ah, non, non, elle mord. Et là? Bien sur autoroute et rocade. Bon, ça va, ça roule pas vite. Elle prend bien le virage, par contre. Ah oui. Oula. Ah, pour le prendre, elle le prend. Hein. Ah, elle prend plus. C'est une aide. Elle vous fait 50-50. C'est un compromis. Je prends le début du virage et tu continues la suite. D'accord. Voilà. Hop là, dans le champ. Il fait 30 degrés. Ah, c'est marrant. C'est vrai, hein, c'est marrant. C'est une découverte. En tout cas, ça suit bien le camion, ça c'est super. Ça peut être utile si par un moment vous faites un écart. Ça arrive à tout le monde hein, de faire un écart, ça y est, boum. La voiture vous remet. Et c'est ce que Zoé 50 User, le copilote de la chaîne en quelque sorte, il ramène plein d'informations aussi, donc je la remercie, un petit coucou au passage, a constaté que la voiture le remettait sur la voie quand il y avait un petit écart. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Et ça, ah bah, je n'ai pas besoin de freiner, puisque ça suit le camion. Bon, de toute façon, maintenant, ça va être la ville. De batterie. Dans 500 mètres, tournez à droite. Je vais mettre en mode normal. Voilà, j'ai mis en mode normal. À la direction, ah ah, ça change peut-être un petit peu quelque chose. L'autonomie a descendu, dans 200 mètres, non? Oui. Tournez à droite pour suivre la route principale. Maintenant, tournez à droite.
Très confortable sur les routes défoncées, ici je connais avec la Zoé, bon, mais là dis donc, hein, ça absorbe, hein. Pourtant c'était des jantes balèzes, hein, et des pneus costauds. J'ai pas vu que c'était marqué gros Didier. Dans 500 mètres, tournez à droite. Il y a plein de fonctions que j'ai pas encore étudiées. Cette voiture-là, il faut passer du temps. Très très confortable. Dans 200 mètres, tournez à droite pour suivre la route principale. Maintenant, tournez à droite. Sur les 7 prochains kilomètres, continuez tout droit sur cette route. Ah, ça met un niveau de récupération de 1. J'ai mis niveau 3. Récupération. Oula, ça freine, hein. Alors niveau 3 de récupération est idéal en agglomération. Voilà. Oh, le bruit, il est vraiment bien pensé, ce bruit-là. Hein. Oh, dis donc. Là, j'ai mis en niveau 2, c'est bon compromis, ça freine déjà fort et ça allume les stops à l'arrière. Niveau 1, bah niveau 1, non, je relâche, ça freine mais léger. Niveau 0, ça freine plus rien. Voilà, ça régénère mais très peu en fin de compte, enfin très peu, si quand même. Et voilà, régulateur, l'autopilote. Ah, c'est marrant ça. C'est vrai que ça fait péniche. Ah, j'ai pris une vague de côté, là. Pouf, dans le fossé. Ah, c'est bien indiqué, hein, le maintien dans le régulateur adaptatif. Touche plus au volant, ni à l'accélérateur, les freins pas la peine, ça suit le camion, voilà. Ça freine tout seul, ça gère tout seul. Ah mais avec moi, hein, ça, je détaille, hein, ça. Et Guillaume, j'ai mis les mains, ah faut pincer fort le volant quand même, ah, c'est un cuir épais. Tout seul, ça redresse tout seul. Ah bah comme ça. Oh alors.
ça marche bien, même en haut d'une côte, hein. Ça a bien suivi. Il faut pincer le volant pour vraiment faire comprendre qu'on tout, qu'on tient le volant, quoi. Ouais, bon. Ça va, c'est pas trop. Ça doit être toutes les 20 ou 30 secondes, peut-être. Ça va, c'est pas toutes les 10 secondes, parce que toutes les 10 secondes, ils ont bing, 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 bing. Voilà. Il y a un moment. Ouais. Alors, c'est un système avec une caméra, puis il y a un lidar devant. Là, au moins, il y a un lidar. Eh bah oui, pareil, je tiens le volant. Faut vraiment mettre la main dessus. Là, ça freine bien. Ça freine tout seul. Voilà, ça tourne. Génial. Ça accélère. Ça freine. Oh, ça freine fort, hein. Ah, le copilote, hein, sympa, hein. Franchement bien, hein. Bah là, je tourne toujours pas le volant. Ah si, il faut que j'en prenne un peu la main quand même. Il n'y a plus de tracé. Peut-être qu'une Tesla suivrait, mais là, celle-ci, ce qui est bien, c'est le régulateur adaptatif, hein. Je touche pas l'accélérateur, hein, ni au frein. Si au moins ça tient pas la route, au niveau des lignes, quand il n'y en a plus, ben au moins ça tient le camion qui est devant, ou la voiture, hein. Ça c'est vraiment... Voilà, ça reprend. Le volant passe au vert dès que ça reprend. C'est-à-dire que les conditions sont bonnes pour vous envoyer dans le fossé. Je plaisante. Je plaisante. Oh là là. Tiens. Attends, c'est tout. Dans un kilomètre, serré à droite. Dans 500 mètres, serré à droite. Quel confort, quand même, non, hein. Maintenant, serré à droite. Sur les 9 prochains kilomètres, continuez tout droit sur cette route. Avec une bande, ça maintient sur la ligne. Ça a l'air. Ouais. Sur le bas côté, là. C'est toujours actif, hein. C'est une aide là, pour l'instant il n'y a qu'une bande et ça devient une aide. C'est pas d'une fiabilité exceptionnelle. Hein.
vraiment qui est gauche-droite, bien tracé au sol. Mais ça aide, sans dans le volant, hein, ça bouge. Et toujours le régulateur adaptatif, donc ça fait que je suis tout, enfin ça s'adapte par rapport à ceux qui sont devant, jusqu'à une vitesse de 83 km/h maximale. Et là, normalement, elle devrait freiner. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Elle freine toute seule. Chapeau. Rien que cette aide-là. Ah bah ça, voyons. Oh, j'en veux une tout de suite. Hein. C'est pour ça, sur la Zoé, qui n'est pas ce régulateur adaptatif, c'est une aberration pour moi. C'est n'importe quoi. Alors qu'il y a tout ce qu'il faut. Caméra, lidar et tout. Ah, c'est une critique constructive. Parce que la concurrence, elle le propose. Donc, si elle le propose, je ne sais pas pourquoi Renault, qui le fait très bien d'ailleurs, puisque ça équipe les captures et tout ça, pourquoi que sur la Zoé, qui est une électrique justement, qui demande un confort supplémentaire, une technologie de pointe, ça ne propose pas. À la rentrée peut-être? Ah, je ne sais pas. Ou des mises à jour, ou je ne sais pas. Personne ne dit rien. J'ai pas touché une seule fois l'accélérateur ni les freins de toute la traversée de commune. C'est vraiment. Ça mène à une décontraction de conduite incroyable. Ça vous enlève tout le stress, toute la. Comment, la concentration nécessaire. Bah ça disparaît. C'est de la fatigue en moins. Hein. Quand on est fatigué, on est énervé et tout ça. Après une journée de boulot ou ça s'est pas bien passé et autres. Bah ça, ce genre de voiture, ça vous amène une. Dans les centres-villes, dans les villes, tout ça, agglomération, mais c'est génial. Ça freine, mais ça freine bien, hein. Heureusement. Voyons. Entre le volant qui me titille un petit peu, qui me dit hop, là, par là, par là, par là, et puis ça, qui avance tout seul et qui recule, ben, elle recule pas, mais elle freine toute seule. Oh, ben, oh. Par contre, s'il n'y a pas de voiture devant moi, comme j'ai programmé pour 83, ça va aller à 83. Hein. Dès qu'il n'y a plus un obstacle devant, ça va à la vitesse programmée au régulateur. Donc il faut bien pré-régler le régulateur à 50 km/h en agglomération. Et ensuite le remettre sur 83. Voilà. Ou 80. Il faut penser à ça. Là, c'est la voiture qui gère par rapport à la voiture qui est devant, tout simplement. Elle laissera toujours le même espace. Donc elle va accélérer, freiner, etc. S'adapter. Je vais en mettre au niveau économique. Voilà, j'ai remis en mode économique. Ça la fait plus douce. Oui. Plus souple. Très bien, mode économique. Ça n'a rien changé au niveau autonomie. 89% de batterie. Je sais pas combien de kilomètres que j'ai fait.
C'est incroyable comment qu'elle maintient le volant. Je suis obligé de, des fois, je sens que je suis obligé de reprendre un petit peu. Mais est-ce que j'en suis pas sûr? Est-ce que c'est réellement bien ce que je vais faire ou pas? Mais c'est impressionnant, hein, la technologie, comment qu'elle... parce que là, c'est physique. C'est un moteur à l'intérieur qui tourne et puis qui entraîne le volant. Où il y a quelqu'un qui a des pédales, je ne sais pas quoi, qui tourne. Où il y a un copilote dans... Ah, vraiment, c'est efficace, hein. Là, je tourne de rien du tout, hein. Ça gère. Hein. Ça gère tout, là. Avec une seule ligne au milieu. Et comme c'est une ligne droite, ça y fait beaucoup aussi. Donc, ce genre de route est très confortable, vraiment. Oh, qualité de confort, c'est excellente. Alors, il s'en est vendu une flopée d'un seul coup. Et comme a dit le vendeur, les Niro, hein. Ils vont recevoir quelques-unes, mais avec un chargeur, enfin un chargeur 7 kW par 11 kW. Mais il s'en vend beaucoup. Bah, je comprends pourquoi. Avec toutes les voitures électriques qui vont arriver, dont la fameuse Fiat 500 électrique, aura qu'une autonomie de 330 km aux normes toutes récentes. Un tableau de bord qui est bien foutu, avec un bel écran. Voilà. Il y en a pour tout le monde maintenant, hein. Routière, autoroutière, la ville, citadine, etc. SUV, pas SUV. Il y a vraiment de tout, hein. Hybride rechargeable, hybride. On a le choix. Électrique s'impose de lui-même parce que l'énergie, bah, c'est électrique. L'économie, la rentabilité, oui, elle est là, elle est existante. Après, sur des technologies différentes, comme l'hybride rechargeable, bah, c'est serré parce que l'autonomie est faible. Il ne faut surtout pas... Dans 500 mètres, tournez à gauche. Faut surtout pas trop dépasser l'autonomie. Il ne faut pas que le moteur thermique se mette en route. Sinon, ça va être un surcoût qui va rallonger le temps qui permet d'amortir tout ça. Parce qu'il y a un moment, c'est qu'on trouve sur un équilibre. Hein. En électrique, ça va vite. Mais en thermique, en hybride rechargeable, dans hein, c'est cher quand même. Tourner à gauche. Mais ça peut être valable pour beaucoup de personnes qui vont être rassurées par l'aspect autonomie, indépendante des bornes. Malgré tout, il y aura une batterie. Il y a une batterie. Ça fait ça un plus. Maintenant, tournez à gauche. Sur le prochain kilomètre 800, continuez tout droit sur cette route. J'ai les mains qui ont glissé sur le volant. J'ai les mains pleines de doigts et... Ah oui, ça m'a surpris, ça. J'ai pas... Mes gants de conduite sont vraiment utiles, je les ai pas pris. Oh, je regrette. C'est un volant, ah, c'est drôle comme cuir, c'est des cuirs, c'est pas du cuir, ça, enfin je sais pas, c'est bizarre. C'est... J'aimerais bien du cuir quand même. Quand même, c'est malheureux si les sièges sont en cuir. Ah, c'est un volant chauffant. Ah, voilà. D'accord. Oui. Donc il doit y avoir une matière spéciale. Oh, excellent le ralentisseur là. Oh, ça prend les ralentisseurs. Celui-là il est vraiment sévère. Hein. Il est bien. Hein. Voilà, je vous reprends pour la prochaine étape. Des trajets, donc direction dans 200 mètres, Saint-Florentin, à gauche, à la deuxième rue. À tout à l'heure.